Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 pour le mode commando. Donc c'est parti, on continue au Carispoon, niveau 69. On est niveau 69, ah, c'est parfait. Enfin, par rapport à justement qu'il fallait recalibrer notre niveau, hein, bien évidemment. Donc c'est parfait. Ouais, c'est une mission assez sympathique, mais qui peut être un peu embêtante. Il n'y a qu'un ennemi, mais ça va... Ça va le faire, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Les ennemis seront assez loin. Après, il y en aura d'autres ici, donc ça va aller. Voilà. Comme je sais pas encore totalement les spawns par cœur, hein, bien évidemment, bah là, ça va être à gauche. Je sais à peu près où ils spawnent, donc ça va... Ah bah. Oh. Pas de bol le revenant. Il s'est pris une belle balle. Ah, ça c'est moins cool. Mais on va la voir. Il est en bas la troisième. Ça le tue. On va enlever le scope quand même. Ça sert pas trop à grand chose d'avoir le scope agrandi. Là, ça va être l'ennemi le plus chiant de toute cette opération. Enfin, de cette mission. C'est pas la même chose. Bon, là, il sera de l'autre côté. On va pas essayer de le tuer tout de suite, lui. On va essayer de le prendre dans le dos et de lui mettre une bonne balle chargée. C'est bon? D'accord, bon, on va attendre. Parce que là, sinon, il va risquer de nous attaquer. Il va essayer de l'attaquer, par contre, le cristal, mais... Il va se prendre une méga balle bien chargée, là. On va pas le... On va pas se priver. Voilà. Pour ça que je le laisse avancer, en fait, hein. Bien. Encore. Lui, normalement, je peux le tuer avec deux coups de couteau si c'est pas un seul coup de couteau. Voilà, bah un coup de couteau et un coup au corps à corps avec un coup de poing. Très bien. Ça nous va. Alors. Visez la tête! Ah non, il m'a chopé! Petit salaud! Ah là, faut... Oh, oh. Je vais essayer de s'en aller, là. Très bien. On l'a eu. Bah allez là. Mais non. Bon, ça augmente la précision au pire, hein. C'est pas très très grave. Je veux quand même viser sa jambe, hein, à la base, mais c'est pas grave. En plus, c'était la bonne jambe. Dommage. Dommage, dommage. Mission rapide quand même. Les opérations de mission, maintenant, ça devrait être assez rapide. Bon là, je pense pas qu'on soit... Ah quoi ? Non, 78, pas encore. Mais on monte bien. C'est très bien. Ça me va. Ça me va. Parfaitement. Là, ce que j'aimerais, c'est surtout avoir justement de nouvelles combinaisons possibles pour les armes. Enfin non, je crois que là, on peut aller jusqu'au niveau 19, si je dis pas de bêtises. Attendez, je crois que c'est ça. La boîte à outils, normalement, je peux aller jusqu'au niveau 19. Donc, en fait, non, c'est très bien, mais c'est juste qu'il faut attendre d'avoir des dégâts ou autre. D'accord. Dégâts, par contre, ça coûte assez cher. Bon, c'est pas très grave. On verra comment ce sera au prochain épisode, les amis.
Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2. Allez, salut à tous les amis!